force est de constater que je suis un être sujet à la procrastination. Ça fait 1000 ans que la voiture elle est sur chandelle. Ça fait 500 ans que j'ai reçu les pièces. J'ai rien touché. J'ai pas envie. Ça fait 4000 degrés, frérot. La voiture est sur chandelle, qu'est-ce qui a changé? C'est un bloc de bar stab. On rotule de direction. Je voulais faire les triangles. J'ai pas trouvé la ref. Je fais pas les triangles. Je voulais faire les amortisseurs. Je trouve pas de ref. Je fais pas les amortisseurs. Et j'ai le lève-vitre à faire. Côté conducteur. Ça, c'est assez primordial. Parce que en fait c'est comme si j'étais dans un four à induction. Et c'est pas vraiment la bonne saison. Recevoir les trucs ouverts, j'adore ça. Full Ridex, man. Oh là là, mais c'est quoi cette galère encore, cette histoire? Ça peut jamais être simple, là. Ah mais c'est cassé ça aussi. Ah, nickel. Tout qui est pété en fait. Hein. Ça c'est la prise d'origine. Ça c'est le câblage autodoc. Comme ça vient.
tu peux te faire enculer avec ta tondeuse à gazon, s'il te plaît? Bon, là, c'est un peu la merde quand même. Hein. Donc, pour la faire courte, le moteur d'origine, je l'ai démonté, j'ai essayé de remettre les charbons, j'ai fini par tout casser en deux. Donc, j'ai pas eu le choix que de commander un nouveau lave-vitre. Ce que j'adore faire, bien entendu, c'est ironique. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve un moyen de connecter ces deux broches sur le faisceau d'origine, à part couper et mettre des fiches comme ça, femelles, je vois pas comment je peux faire mon affaire. Donc génial, je vais niquer le faisceau d'origine pour brancher une pièce qui vient de je ne sais pas d'où. Super. Ça, c'était vissé ici. 1, 2, 3 écrous. Le reste, c'est le support de la vitre qui est tenue ici. 2 écrous. Et normalement, tout devrait venir. On appréciera normalement parce qu'à mon avis, j'ai pas fini de galérer. Date de création, 11 juillet 1995. Putain, quasiment un mois avant ma naissance, frère. T'imagines? Imagine que la bagnole a été conçue... Bref. Ah, mais nickel, la vie très bien. Je crois que vraiment, vraiment que c'est le pire truc en fait, tu vois ce que ça a pris. Ça se démonte comment cette merde? Comment ça se démonte ça, putain de mort là? Ça se clipse juste, tu crois? Pas du tout. Je ne sais pas comment ça se démonte, cette bagnole de merde. Si je pète ma vitre, parce que c'est ce qui va arriver.
c'est ce qui va arriver, c'est sûr. Comment c'est fait de l'autre côté là? C'est juste un clips. Ouais, c'est juste un truc en fait qui a graffé dedans. Bon, on va voir. Pas vraiment sûr de moi là. Ok. L'engraffe elle est là. Donc maintenant. Ok man, c'est venu man. Allez. Ok. Ça, c'est des vis d'origine, enfin l'origine de la pièce, donc pas d'origine constructeur. Donc en fait, je m'en tape hein, parce que c'est pas la même longueur et j'ai pas envie de mettre ces vis de merde dans ma caisse. Ça, c'est la graffe que je viens d'enlever. C'est pas grave. Je remettrai la mienne. Oh putain, mais j'ai ça aussi enlevé là. Les voisins qui se la régalent dans la piscine au fond. Ah ben super, voilà. Voilà, typiquement ce que j'adore dans la mécanique, tu vois, c'est des vis qui sont 4000 fois trop vissées. J'adore ça. Ça, vraiment. C'est vraiment ce que je préfère.
qu'est-ce que j'ai pas fait? Bagnole-là, c'est un peu l'enfer. Ok, donc on devrait normalement pas être trop loin du haut. Bon là bien sûr ce qui va casser les couilles ça va être pour remettre la protection, la goupille, je pense que ça peut être une sorte de goupille ça, au niveau de l'axe dans lequel est pris la vitre, par rapport à la vitre. Bien sûr comme d'origine il était bloqué en position haute et que sur la pièce achetée bien sûr il était en position mi-haute et que je peux pas tirer tant que le courant n'est pas mis dans le moteur. Il faut que je passe par en dessous. Parce que bien sûr, ce serait trop beau si tout pouvait se passer. Si tout pouvait bien se passer, tu vois, ce serait bien. Mais ça marche jamais comme ça. Je sais pas, ça a l'air d'être mou. Je suis pas sûr de ouf. Je pense que oui. C'est mieux ou pas? J'ai pas l'impression que je puisse le rentrer plus en fait. En tout cas, je travaille à l'aveugle donc c'est compliqué. Refixation du moteur. Du coup, elles sont les vis d'origine. Putain, c'est chaud. Ah, ça, c'est les vis d'origine, mais... Ah bah oui, les vis, elles étaient prises là. Donc pas le choix que de remettre celles qui viennent d'autodoc, nickel. Je crois que c'est un RS3 ça. Pas sûr. En tout cas, le man se fait plaisir. Ouais. Et ben là. Là, ça va être compliqué. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, dans tout ce qui est travaux mécaniques, c'est faire de la merde. Ça, j'adore. J'adore, tu vois,
quand je sens que je suis en train de faire un truc pour eux, tu vois, et que c'est pas dit que ça marche, qu'il y a même énormément de chances que ça marche pas, ah mais là, là je trouve mon compte dans le truc. Là j'aime bien, là j'achète. Là, comme il dit, hey, mais mec, ce que tu fais c'est dangereux. Je sais pas si je m'en bats pas les couilles en fait. Je sais pas, j'aurais tendance à dire que ça vient d'ici. Et puis si c'est pas ça, eh bien, c'est pas ça. Ça ferait un fusible. De toute façon, la voiture va pas exploser parce que. J'ai mis deux cosses au mauvais endroit. Je sais pas. C'est bon ça, tu crois? On est bon là ou pas? Visiblement ça n'a pas l'air d'être ça. Eh ben voilà, michtavo frérot. Voilà ma couille, il marche pas le vite là. Bah seigneur. Donc du coup, le rouge va avec le jaune et le bleu va avec le blanc. Nickel. Bon voilà, moteur est raccordé. Au final, je voulais garder la broche qu'il y avait d'origine. En plastique noir là, au final ça m'a saoulé parce que j'ai pas réussi à dénuder proprement les deux cosses qu'il y avait. Donc j'ai coupé à ras, j'ai dénudé. Il s'avère que la section ici, une fois un peu enroulée, ça rentrait parfaitement dans la broche qui est là. Donc je l'ai fait rentrer, j'ai essayé de sertir tant bien que mal. Je sais pas si vous allez bien voir. Sertir tant bien que mal avec une pince à sertir exprès de professionnel. Nickel les vis. Du coup ça fonctionne, c'est opérationnel. Je vais venir remettre la gaine thermo par dessus et après je vais remonter tout le panneau de porte. Vas-y, putain de moustique de merde. On a trouvé la pièce maintenant qui est tombée là. Putain de merde. Le vis de merde. C'est tombé où ça aussi là?
Putain, mais c'est l'anarchie. Bon. Ça va, ça, là-dedans, là ? Que ça, ça va, là ? Ouais, là, ça ira. Oh, putain ! Nickel. Pas la solution, je vais la trouver. Bon. Alors là maintenant. On va savoir qui va où en termes de vis. Ça va, fils? Nickel. Oh mais putain, mais va t'acheter les doigts, frère. Je pense que ça, ça va finir avec des vis auto-forantes. Ouais. Je pense. Oui. Thank you.
Moustique infernal, frère, je te jure. Un truc à te rendre fou, un truc à avoir envie de vivre en ville, tellement c'est de la merde, frère. Tu vas voir si le panneau de porte il va pas tenir, frérot. De me faire enculer par les moustiques, les moustiques. Je vais tout cramer là, je vais tout brûler là. Putain de bagnole de mort. Je pense que je vis ça dans le vide. Oui, bah c'est que c'est bon alors. Quand tout est vissé dans le vide, c'est que c'est bon. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est de la merde. Alors, là, voilà, voilà tonton. Ça mettre là non je vais essayer de trouver la vis là. Mais si il veut. Ah parfait, ça j'achète là, je pose des sous là. Thank you.
merde. Magnifique. Oh. Et la dernière. Là on est bon. Maintenant, dans tout ce bordel, est-ce que j'ai des vis qui traînent? Ouais. Il doit rien avoir, hein. Quelque part, elles sont là. Les vis auto-fourrantes. Comme on pas dit l'ami, frère. Ah, j'en ai fait tomber une. Ah. Ah. Comme ça, je vais arrêter de mourir de chaud.